Delphine Bachelet, je suis issue du secteur du social, médico-social, notamment de l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Et justement, de par mes expériences passées, j'ai pu remarquer la difficulté d'accès à l'emploi pour des personnes en situation de handicap, notamment des personnes présentant déficience intellectuelle, porteurs de trisomie ou autistes. Et le but serait de pouvoir justement montrer qu'une inclusion professionnelle en milieu ordinaire est tout à fait possible. Alors, je propose d'ouvrir une ressourcerie qui emploierait principalement des personnes en situation de handicap avec un comptoir de dons, un espace de vente et puis donc des salariés autistes déficients. Alors, l'implantation géographique se ferait soit sur le nord-ouest de Nantes, Saint-Herblain ou Orvault.